Avant, nous nous faisons nos couplages dans les étangs. Vous voyez les étangs qui sont là-bas. Et on met des appâts, c'est-à-dire des structures conçues juste pour la reproduction, en respectant la densité par mètre carré. Et on faisait les couplages dans les étangs. Après, on récolte les larves et on amène à l'écoserie pour les traiter. Mais suite à la formation que nous avions eue en Égypte sur l'amélioration génétique et la reproduction, à notre retour, on a commencé par essayer les couplages dans les bassins. Le problème, c'est quoi? Quand on fait ça au niveau des étangs, après l'éclosion des œufs, il faut prendre les larves au plus à 3 jours, après la reproduction pour pouvoir réussir l'inversion sexuelle. Mais quand c'est en étang, c'est plus difficile. Ici, maintenant, rapidement, on observe l'éclosion, on ramasse les larves et puis on les amène pour le traitement. Là, on réussit l'inversion à près de 90%. Ça veut dire que vous avez des taux de masculinité qui va jusqu'à 90%. Si vous amenez ces poissons sur les lacs pour le grossissement, pour la production de poissons de table, c'est-à-dire en 5 mois maximum, vous avez déjà des poissons de 400-500 grammes. Ouais. Alors que, bon, si... Oui, la reproduction est plus vite ici que là-bas, parce que c'est bien contrôlé. Ici, c'est l'écloserie. Et oui, l'écloserie, c'est la salle dans laquelle nous faisons le traitement des larves récoltées après le couplage là. S'il s'agit des poissons ça, c'est là où on fait l'incubation des œufs. On fait l'incubation des œufs ici. Donc ici, pour le moment, nous sommes en train de faire un essai sur le poisson chat. Oui, on est en train de tester l'aliment biomar sur la performance de poissons. Le poisson chat, donc on a mis une certaine quantité par bassin pour pouvoir tester la performance de l'aliment. Donc quand l'essai va finir, nous allons tirer une conclusion sur la performance de l'aliment biomar qu'on est en train de donner. Dès que ça va quitter là-bas, on met une grande quantité aussi ici. Parce que en étang, l'expérience a montré qu'ils grandissent plus vite en étang que dans les bassins. Donc c'est juste à cause des traitements là qu'on essaie de contenir dans les bassins pour gérer. Après ça, nous allons les amener ici. Comme ils sont des plantes autophages, en plus de la nourriture que nous allons donner, ils vont prendre aussi les phytoplanctons pour que la croissance soit plus rapide. Donc on a couvert de tout ça pour éviter que les prédateurs rentrent. C'est des structures conçues pour toujours faire le pré-grossissement. On a fait ça pour mettre dans les étangs, comme on a posé là, pour faire le pré-grossissement. Maintenant, on va partir sur le lac. Ici, c'est le tilapia de table que nous sommes en train de produire ici.
c'est les alvins, les petits trucs que vous avez vus là-bas, c'est ça qu'on ramène ici après traitement et pré-grossissement. Et on fait la mise en charge dans ces cages pour produire les poissons d'étape. La production dure 6 mois pour avoir des poissons de 500 grammes à la fin, de poids moyen. Tu peux avoir quelques-uns qui auront plus que 500 grammes, 600, 700 même. Mais il y a toujours aussi quelques-uns qui seront moins de 500 grammes. Donc le poids moyen à la fin du cycle de production qui dure 6 mois, c'est 500 grammes. Ici, c'est un tilapia de 6 mois. Donc, et comme je l'ai dit, c'est des petits alvins que vous avez vus là-bas. C'est ça que nous avons ramené sur l'eau. On les a donnés à manger pendant 6 mois, suivant une ration. Et puis, ils sont devenus plus gros. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Les consommateurs de tilapia sont un peu exigeants. Ils sont exigeants du fait que, à Cotonou, ce qui se consomme, c'est les grosses tailles. Donc quand nous produisons, il y a des opérations que nous faisons ici, des opérations de tri que nous faisons chaque mois. Si nous mettons les 2000, c'est-à-dire à raison de 26 poissons par mètre cube au départ, chaque mois nous faisons des tri pour séparer les plus gros. Donc il y a des cages de privilège que nous faisons. Nous mettons les plus gros dans ces cages-là pour que ceux qui aiment plus de 500 grammes puissent acheter ça. Alors qu'il y a des 600 grammes, 400 grammes de poids moyen dans les autres cages. Donc c'est ça, j'ai tenu à vous montrer. Et ça c'est Oreochromis niloticus. Ce que nous avons vu plein de ces alvins là-bas. Après ma licence, quand j'ai commencé le master, et j'ai vu que c'est un défi pour le Bénin de produire le poisson d'élevage. Et je me suis lancé dedans en tant qu'étudiant. Et c'est, j'ai commencé la petite production à la maison et avant de venir étendre sur le lac ici. Donc, à un moment donné, je voulais contribuer à la production aquacole de mon pays. Avant contact avec TAT, nous faisons les choses d'une certaine manière. Après quelques formations, nous avons amélioré nos technologies. Je prends par exemple le cas de la production d'aliments locaux. On nous a fait une formation complète et on sait comment il faut faire la formulation, comment il faut sélectionner les ingrédients nécessaires, ce qui est nécessaire pour le poisson. Et on a fait des phases pratiques qui aident beaucoup de pisciculteurs aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans notre domaine, le défi de l'aquaculture, c'est l'alimentation. L'alimentation qui prend près de 70% du coût de production. Donc avec cette technologie de fabrication d'aliments locaux, ça a permis à certains de faire une combinaison entre l'aliment importé et l'aliment local. Certains utilisent l'aliment importé à une certaine phase, c'est-à-dire à l'élevage jusqu'au stade de pré-grossissement, et continuent pas à utiliser maintenant l'aliment fabriqué localement pour réduire le coût de production. Donc, je peux dire que c'est un acquis. C'est un acquis très important pour nous. Je prends également la formation sur la sélection massale basée sur les parents au niveau du tilapia, c'est-à-dire le programme génétique que nous avons suivi. Ça nous a permis de sélectionner les géniteurs. En fait, quand les individus naissent, il faut voir les plus rigoureux, ceux qui vont être géniteurs demain, il faut essayer de les séparer pour avoir de bonnes souches demain.
Donc, tous ces programmes nous ont permis de nous améliorer, d'augmenter notre production à levain aussi au niveau de la ferme. Et nous étions à peine 20 000, 30 000 à levain par mois, mais aujourd'hui nous sortons plus de 200 000 à levain par mois. Pour les alevins, on est à plus de 1 500 000 de production d'alevin de tilapia par mois. Et pour le poisson de table, le clarias, nous sommes à plus de 140 tonnes de tilapia par an. Parce que nous utilisons sur la lagune 120 cages flottantes et avec lesquelles nous sortons par cycle de 6 mois maximum, nous sortons plus d'une tonne et demie. Nous sommes à plus de 140 tonnes de production de tilapia de table par an et plus de 1,5 million d'alevins par an. Le projet TAT est venu améliorer un peu ce qui était. Parce que grâce au TAT, il n'y a pas eu en fait de discrimination dans la formation des acteurs. Avant, pour être formé en aquaculture, il faut être peut-être vraiment, vraiment devant dans les coopératives, dans les instances, avant d'être formé. Mais TAT dit, vous divulguez ce que vous avez appris jusqu'à la base. Donc, il y a ceux qui sont devant et qui vont au contact direct avec le formateur. Mais après ça, maintenant, le formé devient le formateur de certains d'autres pisciculteurs. Donc ça a fait que les technologies ont très vite évolué. Nous avons essayé de former assez de personnes, donc beaucoup d'engouement pour la pisciculture. Donc on peut dire que le nombre de pisciculteurs a augmenté aujourd'hui grâce à certaines technologies sur lesquelles le projet TAT a travaillé avec les pisciculteurs. Que TAT continue d'appuyer, de continuer les jeunes pour le futur de la pisciculture béninoise.